Good afternoon, my name is Isabelle. Welcome to the Auberge du Manet. Merci beaucoup. Isabelle. Dans cette auberge de luxe de Montigny-le-Bretonneux, les clients étrangers sont choyés. Cette année, ils se sont fait plutôt rares. Une déception pour cette gérante qui pensait engendrer une hausse de son chiffre d'affaires de 30% avec l'effet Euro 2016 du mois de juin. Sur l'euro, on n'a absolument eu aucun. On a eu très très peu de réservations par rapport à ça. Très très peu du fait qu'il y a eu les attentats, du fait qu'il y a eu les grèves, du fait qu'au niveau image internationale, on a quand même beaucoup souffert. Et puis les étrangers ont eu peur, je veux dire. Donc forcément, ça a impacté Paris et du coup ça nous a impacté parce que logiquement, quand Paris travaille très très bien au niveau touristique, nous on a toujours des retombées. Isabelle fait désormais appel à des tour opérateurs et pour attirer une clientèle étrangère et familiale, l'accent est mis sur une cuisine française de qualité. Pour les étrangers, généralement, c'est important pour eux. Ils aiment bien avoir plusieurs desserts, goûter que ça soit frais, un peu exotique. À quelques kilomètres, l'enjeu est totalement différent pour cet hôtel implanté au milieu d'une zone d'activité. La proximité de grandes sociétés leur permet d'être souvent complet du dimanche au jeudi soir. La semaine, effectivement, on a une clientèle 100% d'affaires. Et comment ça se passe alors les week-ends ? Alors les week-ends, c'est très calme. On essaye d'attirer une clientèle de loisirs, mais on a un petit peu de mal. On avait une clientèle étrangère qui venait dans notre établissement les week-ends, mais suite aux attentats qu'il y a eu, elle ne vient plus. Avec l'arrivée des vacances scolaires, l'activité hôtelière diminue fortement dans l'agglomération. Pour rester attractif, cet hôtel propose des promotions sur les chambres allant jusqu'à 50%. En attendant une reprise de l'activité à la rentrée.